Bonsoir à tous. Gros rebond aujourd'hui pour le CAC 40 porté par la remontée des cours du pétrole et la baisse de l'euro face au dollar. Les valeurs financières figurent parmi les plus fortes hausses de la séance sur la place parisienne. Tout le secteur est porté par la perspective d'une éventuelle remontée des taux en Europe, dans le sillage d'une probable hausse des taux de la Fed au mois de juin. Gros rebond aussi pour Ipsen, dopé par les résultats cliniques très bien accueillis dans le cadre du cancer du rein. Et puis une belle séance aussi pour Score, grâce aux analystes d'UBS qui sont repassés à l'achat sur le titre ce matin. Il y a peu de baisses significatives à retenir aujourd'hui, à l'exception d'Eutelsat, qui poursuit sa purge depuis son avertissement. Et le titre SEB était très entouré aujourd'hui après l'annonce d'un accord avec KKR en vue de lui racheter l'allemand WMF, numéro 1 mondial des machines à café professionnelles et leader des articles culinaires en Allemagne. La valeur d'entreprise de WMF ressort à 1,6 milliard d'euros. Et SEB attend des synergies importantes de cette acquisition qui sera immédiatement relutive de plus de 20% sur le bénéfice net dès la première année entière de consolidation. C'est la fin de ce flash, prochain rendez-vous demain à 9h30.